see the colors of the rainbow. And I can feel the sun on my face. I see the light at the end of the tunnel. And I can feel heaven in this place. And that's the sign of a victory. That's a sign of a victory. Groupe 7. Ben, nous avons commencé l'été au foyer Bougarel. Ah oui, oui. C'était on a dit une fois par mois aussi des réunions. Et on a commencé, c'était en 2003 à peu près. C'est quoi le but? Le but, c'était bon. Au départ, nous avions une psychologue qui était là pour nous diriger un petit peu dans nos débats, on va dire. Et on se posait des questions sur ce qu'on avait, sur chaque personne. On a su qu'on était tous différents, mais avec la même maladie. Ça nous a fait du bien, parce que les premiers temps, ben, quand tu as cette maladie, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas comment ça va évoluer. Donc voilà, on était... Et puis à chaque fois, on se retrouvait, on était contents, même si on était fatigués. Les jours où il y avait les réunions, ben, on était tout le temps là, content, comme là actuellement. En principe, aujourd'hui, on aurait dû être une quinzaine. Mais bon, on se retrouve à 6-7. Ben, c'est le même plaisir de retrouver les personnes. C'est notre famille. C'est une grande famille. Voilà. Et on les aime tous. Et là, donc, on va attendre avec impatience que Annie va revenir. Pour sa petite retraite, la fin du mois. Ça fera 60 ans, c'est ça? Faut pas parler de l'âge. Non, ça fera une soixantaine d'années. Ah oui, non, mais l'âge, au contraire, on est fier de son âge. Ça ne dérange pas. Moi, j'ai fêté mes 49 ans, hein, et c'est pas dérangeant. On est tous... Tous les mois, on a une réunion du groupe CEP, à la fin de laquelle Annie nous apporte les boissons, etc., le café, le thé, le jus d'orange. Et tout. Ce mois-ci, c'est le dernier mois pour lequel Annie va être présente à notre réunion. Et aujourd'hui, c'est elle qui est notre invitée. C'est elle qui va donc venir pour participer à notre goûter. À bientôt, en lui offrant donc la plante qui est soumise. Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que ça te fait d'être ici J'aime bien retrouver le groupe d'amis, là. D'accord. Il faut dire que Josiane ne parle pas trop. Elle aime bien écouter, mais parle pas trop. Mais elle est contente d'être avec nous. Merci, Josiane, et merci pour l'avocate. Ok. Je suis. Voilà. Moi, j'accompagne Josiane depuis très, très longtemps. Ça fait combien d'années que... Il y avait Monique avant. On allait aux autres. Moi, je dis 2003. Moi, je tu viens depuis 2003. Je viens depuis bien avant 2003, que j'accompagne Josiane qui a la sclérose en plaques. Pourquoi tu accompagnes Josiane? Parce que Josiane, elle ne peut pas marcher toute seule. Oui. Et puis, il faut que je la tienne. Et en plus, pour la conduire, je l'amène. Et puis, j'aime bien... parler avec les autres collègues, les autres amis qui ont la sclérose en plaques, pour apprendre ce que chacun ressent, les nouveautés. Et c'est un petit groupe très sympa, et on se sent bien comme chez soi. C'est très sympathique. J'aime beaucoup. Ok. Merci Claudette. Je veux bien participer, c'est de s'arrêter là. Et oui, donc, parce que tu étais notre chauffeur avant. Oui, j'ai commencé ici comme chauffeur. Ouais.
L'autre jour, on nous en parlait, on en parlait avec Josiane. Et on ne savait pas qu'il avait une sclérose en plaques. Et quand il allait chercher Annie à ce moment-là, elle avait encore l'escalier dehors. Oh, oui, non, bah, elle est marre. Prenez. À la fin d'ailleurs, c'est pour ça que je vais arrêter. Oh, bah, oui. Ah, bah, après, j'ai dit à Josiane, j'ai dit, il en a bavé avec. Oui. Mais on voit pas Annie là. Là, je suis là. Oui. Ah. Des choses à dire, Annie? Pas grand chose. Pas grand chose. Non, je suis revenue. Voilà. Revenue. Ça faisait un an et demi que j'étais pas là. Pourquoi? On peut savoir? J'ai été opérée d'un méningiome. D'accord. Et ça se passe bien maintenant? Ouais, impeccable. On peut danser maintenant? Ouais, presque. Parce que là, on est tous dans le même corps. Oui. On doit pas gagner. Je crois qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de danser. Hein. Un an et demi de. Mais on peut danser sur place. Mais moi, je suis en photo, mais je peux danser. Ah, bah alors. À ma manière. J'ai dansé il y a. Oh, bah il y a 8 ans. Bah ouais. 8, 9 ans, puisque mon neveu, j'avais été une soirée. On peut tout faire en photo. Et Annie, tu étais là donc depuis le début? Moi, je suis arrivée ici. Enfin, vécu en 2004. 2004, fin 2004, début 2005. Okay. Je nous dis, jeune homme. Moi aussi, je me suis dit, j'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Ah ouais? C'est un cadeau? Ouais, t'es très jeune. Je suis comme ça pour le temps, je pense que c'est autrement. Ah bah oui. On me dit, on vit mal. Tu t'appelles comment? Non. Tu t'appelles comment? Dominique Livert, dis-moi. Dominique Livert. Ah, mais t'es très jeune, toi. Oui. Ah, ouais. Ouais. Tu là quand on était à Saint-Charles. J'ai quel âge? Possible, alors. Hein? D'abord, j'ai quel âge? Non. J'ai quel âge? Oui, c'est moi. C'est à toi de nous le dire. Dis-moi, j'ai quel âge, moi. Je sais pas. C'est quel âge? T'as quel âge? 50 ans. Hein? 50 ans. Regarde, je peux le manger. Hein? Voilà. 51. 51? Oui, je vais. T'es marié? Non. T'as une copine? Non, je veux être. T'en reviens. Tu veux pas de copine, toi? Deux. Ah ouais? Ah! Et vous trouvez des copines? Moi, je sais pas. Et ça fait longtemps que tu viens au groupe CEP? Moi, ouais. Un an? Oh, non, plus que ça, il t'est arrivé avant de moi. Ouais, j'ai ouais, comme on a eu le plus vieux est venu. Ouais, ouais, il y a longtemps. Qui t'a fait venir ici? Bah, je veux dire, toi, je ne crois pas. Je ne crois pas ici, parce qu'ici, il y a quoi, dans une vie, deux ans, on vient là. Parce qu'avant, c'était, la PF était là-bas, sur la route de d'accord, ok. I can feel my wings riding the wind.